En cette année exceptionnelle où la France va accueillir cet été les Jeux Olympiques, le thème de la 90e édition d'Olympie à Menton était tout trouvé autour des Jeux Olympiques, du sport et des valeurs universelles du sport. Effectivement, les Jeux Olympiques sont à l'honneur cette année. Ça a été un très gros défi en fait, de faire cohabiter la marque Fête du Citron avec la marque Jeux Olympiques, tout simplement parce que les Jeux Olympiques sont un nom protégé. Donc nous avons travaillé depuis de longs mois avec le CIO, le comité également d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, et le comité national olympique et sportif français pour justement monter cette Fête du Citron. On a dû montrer un petit peu patte blanche pour expliquer que cette manifestation, la Fête du Citron, était un événement qui était très très important pour les Mentonnais, que la population était vraiment engagée dans cet événement-là. Nous travaillons avec une société privée qui va nous élaborer des maquettes sur lesquelles donc Monsieur le maire va donner son avis avec nos élus évidemment. C'est un comité, si vous voulez, avec l'Office du tourisme. Les personnes étudient les dessins, on voit la faisabilité aussi un petit peu techniquement. Et après, l'entreprise reprend ses maquettes et va les étudier plus en profondeur en faisant donc du 3D avec des logiciels afin de faire des maquettes plus précises pour imaginer les hauteurs, les largeurs, le tublage, le grillage à poser et la répartition des fruits. Voilà. Il faut que ça donne un aspect assez sympathique, voire même un petit peu rigolo. Si c'est un peu fade, si ça n'a pas vraiment de caractéristiques sympathiques, on ne le fera pas. Voilà. Il faut que ça tire l'œil. Il faut qu'on fasse « waouh ». Tout commence par des petites réunions. Et puis après, quand nous avons les maquettes, les plans, nous allons les voir sur Nice. Nous revoyons scène par scène. Et ensuite, en interne, avec mon directeur, M. Christophe Guéna, et l'Office du tourisme, Mme Marine Krent, eh bien, nous allons répartir les tâches. Nous, surtout au niveau du centre technique municipal, nous savons à peu près où nous allons mettre les fruits et tous les éléments en décor, le polystyrène, le plâtre, le tissu, le plastazote, les accessoires. Donc ça, c'est vraiment plus lié aux ateliers municipaux. Voilà, c'est notre partie à nous. De chars, il y a 10 chars qui participeront aux parades, donc il y a 5 chars qui donc seront des chars figuratifs qui montreront les différentes disciplines olympiques et 5 chars qui mettront à l'honneur notre mascotte John Lemon qui sera également en situation d'un véritable sportif donc sur ces différentes disciplines. Dans les jardins, il y aura 7 décors répartis dans les différents massifs, donc on ira du sport antique, de la lutte jusqu'aux nouvelles disciplines olympiques qui est le skate, puisqu'il y aura une rampe de skate tout en haut des jardins Biovès. Pour la réalisation des chars, c'est près de 3,5 tonnes de fruits qu'il faut disposer, hein, et puis également toute cette accessoirisation en plâtre, en plastazote, en tissu et tout, qui sont réalisés par nos employés municipaux. Et donc l'Office du tourisme engage également des manutentionnaires pour placer tous ces fruits, puisque je rappelle, c'est près de 120 tonnes de fruits qu'il faut disposer. Donc c'est près de 500 000 oranges et citrons qu'il faut emprisonner dans ce petit élastique sur nos structures grillagées. L'ambiance, le résultat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je n'ai jamais participé à la Fête du Citron, donc c'est un bon moyen de voir comment ça se déroule. Et ouais, j'aime bien être dehors, travailler avec les mains. Je rencontre du monde qui est sympa. Voilà. Maintenant, ça fait quelques années effectivement, qu'on travaille avec des matériaux spécifiques tels que le plastazote. Le plastazote, c'est une plaque de mousse qui nous permet vraiment d'accessoiriser les décors, notamment sur les chars. Enfin voilà, tout ce qui est éléments de décor supplémentaires puisqu'on ne peut pas tout fruiter. On a remplacé le papiétage avant qui était nécessaire sur les sculptures en polystyrène par de l'enduit. Voilà, ce sont toutes une évolution technologique qui nous permet d'avoir plus de finesse et de gagner du temps également. L'an
l'ensemble des structures métalliques seront recyclées en totalité, puisqu'on travaille avec une société spécialisée Rue Valor dans le recyclage des matériaux ferreux. Et bien entendu, avant, on récupérera les agrumes pour les vendre à l'euro symbolique à l'issue de la fête. On les installe à peu près 2 semaines avant la fête. On essaye d'être le moins invasif possible et les monter le plus tard possible également. On est en relation avec donc, l'ensemble des restaurateurs en les avertissant bien évidemment des périodes auxquelles ils devront débarrasser leurs terrasses pour être fin prêt quasiment la veille, puisque c'est près de 10 000 places de tribunes qui sont implantées sur le Corso avec 8 tribunes. Cette année, on en a 2 de plus qui sont au niveau du casino pour augmenter justement cette capacité. Alors les fruits ont fait près de 1300 km. Ils viennent de la province de Valencia, enfin entre Valencia et Murcia. Ils sont arrivés sans encombre. On a reçu un semis d'orange, un semis de citron, donc ça fait déjà 24 tonnes de chaque. Depuis, on a eu une autre commande. Donc pour l'instant, on en est à 98 tonnes. Tout arrive à la serre municipale. Ici, enfin là-bas, c'est une sorte de plateforme tournante. Et effectivement, après, selon les besoins, on les emmène aux abattoirs pour le fruitage des chars ou dans les jardins. Aux abattoirs, ils sont peu consommateurs. On va dire qu'on a entre 12 et 15 palettes de citron et autant d'oranges pour l'ensemble des chars. Ici, ça sera nettement plus. Pour les fruits, il y a les agents de la ville, le service des jardins. Il y a quelques personnes des bureaux, comme on dit entre nous, qui prennent sur leur temps de travail ou le samedi pour nous prêter main forte. Nous avons des intérimaires et nous avons la chance d'avoir la ville de Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Beau-Soleil, La Trinité. Ce sont des aides qui nous sont vraiment très précieuses. Nous avons aussi des associations. Le traçage au sol, ben finalement, c'est une technique qui est très ancienne et assez simple. On reproduit le plan sur le terrain à l'échelle 1 en réalisant un quadrillage. Là, vous avez déjà quelques cordes qui servent encore à ce quadrillage. Une fois le quadrillage fait, il suffit de reporter sur le plan qui est au 1/100 les tracés. Donc là, on voit, ils sont matérialisés à la bombe traçante. Et ensuite, à chaque responsable de scène, de regarder sur le plan s'il s'agit de fleurs. Là, on va labourer les zones. De fruits. Si ce sont des fruits, on va mettre un lit de sable qui permet de caler les fruits. Ou des copeaux de couleur, du minéral. Et là, on va mettre une bâche pour au démontage pouvoir nettoyer et récupérer les matériaux qui serviront à autre chose. Donc on est au serre municipal, en haut de la zone industrielle du Careil. Donc dans la serre froide où on cultive toutes les plantes pour la ville et notamment pour la fête du citron. Nous avons produit essentiellement des cyclamènes, des primevères des jardins, des cinéraires et des ostéospermums. On a à peu près 9000 plantes spécialement pour la fête du citron. Nous sommes obligés de commander les plantes l'année N-1. Donc là, on a commandé les plantes en 2023, en janvier 2023, pour les produire, pour qu'elles soient prêtes là. Alors en fait, toutes les plantes à la fête du citron, elles seront mises en vente. En fait, rien n'est perdu. Toutes les plantes sont vivaces, donc vous pouvez venir les acheter à la fin de la fête. Elles seront vendues à des petits prix pour faire le bonheur de tous. On
Au niveau de nos collaborations, nous travaillons évidemment avant tout avec les forces de sécurité locales. Donc la préfecture, évidemment, c'est notre premier interlocuteur, sans lequel tout ça ne serait pas possible. Les forces de police, police municipale, police nationale, les pompiers, tous les moyens de secours, ça c'est vraiment la base pour monter un événement. Sans toutes ces personnes-là, on n'est pas en capacité de proposer quoi que ce soit d'artistique. Différentes troupes viennent d'un petit peu partout en Europe et en France. Nous avons déjà des troupes qui viennent du sud-ouest, nous avons des troupes parisiennes, nous avons évidemment aussi des troupes locales. Il faut savoir qu'on a un gros réservoir localement de compagnies d'art de la rue. Nous avons également des troupes qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Lituanie, donc aussi à travers l'Europe, nous avons tout un tas de contacts. Le défi, c'est de se renouveler déjà, mais également d'avoir des spectacles qui soient liés à la thématique de l'événement. Il faut savoir que sur les Corsos du Dimanche, on est à près de 300 artistes qui sont présents sur les corsos, qu'on renouvelle au fur et à mesure des 5 dates, donc des 5 corsos. Pour répondre aux besoins de la clientèle quand ils vont arriver sur Menton, nous recrutons au mois de novembre du personnel contrôleur, principalement, et caissier, et bien entendu des encadrants. Au total, cela représente 350 personnes. Que nous allons en fait convoquer, sélectionner en fonction des profils dont nous avons besoin. Nous avons besoin de personnel qui parle plusieurs langues pour faire l'accueil en amont des points de contrôle, et justement les accompagner et les orienter dans leur parcours client. Ensuite, nous avons des contrôleurs au contrôle d'accès pour vérifier que les billets soient bien valables. Et enfin, nous avons des contrôleurs dans le circuit pour assurer leur sécurité au moment de défiler et faire le placement des gens en tribune pour ceux qui ont acheté des places assises. Nous allons avoir toute une série de produits autour de John Lemon et autour de la fête du citron. Tous les produits identitaires de Menton, comme le citron de Menton IGP, donc les confitures ou les produits dérivés autour du citron de Menton IGP. Et puis tous les produits qu'on fait avec l'affiche, le visuel de l'affiche. Vous les trouverez à l'office de tourisme pendant la durée de la fête ou dans les jardins Biofest, dans le chalet boutique près du casino. Savoir, c'est que dès la fin de cette édition, on commencera déjà à travailler sur l'édition 2025 en déterminant une thématique, en commençant déjà à voir des designs des futurs chars, des futures structures des jardins Biofest. Également, on fait rapidement des débriefings effectivement des éditions pour pouvoir construire pour les éditions suivantes. Tout le service événementiel est mobilisé et je peux vous dire que depuis 3-4 semaines, c'est jour et nuit. Donc on coordonne à la fois la partie sécuritaire d'un côté, mais également toute la partie artistique. On fait aussi le nécessaire pour qu'au niveau protocolaire, au niveau accueil de la presse et des médias, on soit prêt, on soit dans les meilleures conditions et également sur toute la logistique technique, donc les tribunes, le système de son, de lumière, tout ce type de choses, effectivement, on le coordonne et on le gère au niveau du service événementiel. L'année dernière, nous avons mené une étude sur les retombées économiques de la fête du citron. Depuis 2 ans, les jardins Biovest sont ouverts, donc tout le monde peut accéder gratuitement à ces structures d'agrumes géantes et participer après avec des entrées au corso, en tribune ou en promenoir. Donc cette étude a permis de montrer qu'on accueillait entre 200 et 250 000 visiteurs sur donc, l'édition 2023 de la fête du citron. Et donc, en termes de retombées financières, pour l'économie locale, cela génère environ 60 millions d'euros de retombées économiques sur les 2 semaines de la fête du citron. Alors pour l'instant, nous sommes sur une augmentation d'environ 15% sur les réservations des corsos et on s'attend donc à dépasser les 200-250 000 visiteurs de l'année dernière.